can't do it one way, he tries another, including bombs. Pour préserver les forces révolutionnaires, à partir d'octobre 1934, l'armée rouge du 1er et du 4e front, ainsi que les 25e, 2e, 6e corps de l'armée rouge, se lancent successivement dans la Longue Marche. En apprenant que l'armée rouge s'est mise en route pour rompre l'encerclement, Chiang Kai-shek se rend à Nanchang et déploie des troupes au bord du fleuve Xiangjiang pour anéantir les troupes rouges. En janvier 1935, l'histoire se trouve à un tournant ici. Le comité central du PCC tient une réunion élargie de son bureau politique à Zunyi, dans la province du Guizhou. La réunion de Zunyi confirme de facto la position dirigeante de Mao Zedong au sein du comité central du PCC et de l'armée rouge. Une ligne marxiste correspondant aux réalités chinoises, prônée notamment par Mao Zedong, guide désormais les actions du comité central du PCC. La première génération du groupe dirigeant central du PCC, rassemblée autour de Mao Zedong, est formée, entamant une nouvelle période où le PCC règle de manière indépendante les problèmes de la Chine. C'est un tournant crucial dans l'histoire du PCC. L'armée rouge centrale surmonte des obstacles en traversant la région de l'ethnie Yi, le fleuve Jinsha, la rivière Datu, le pont Luding, le mont Jiajin et les marécages de Songpan. En octobre 1936, les armées rouges du 2e et du 4e front arrivent à Huining et à Jiangtaibu, au Gansu, pour faire la jonction avec l'armée rouge du 1er front. Cette opération marque la fin de la Longue Marche. Dans la Longue Marche, l'armée rouge a fait plus de 600 combats et batailles contre l'ennemi, traversé une centaine de fleuves et rivières, et franchi une quarantaine de monts, créant ainsi un miracle glorieux jamais connu dans l'histoire de l'humanité. Mao Zedong a souligné la signification de la Longue Marche en l'appelant un manifeste, un instrument de communication, un semoir. Elle a pris fin avec notre victoire sur l'ennemi.